Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal du Grand Nord, saison 2, édition spéciale. Hein? Vraiment, cette édition spéciale, je n'ai pas besoin de préciser de quelle édition spéciale il s'agit. Vous pouvez très bien le décor. Je suis Maman Grand Nord alias Ladonie. Et je suis avec Sebago de Bagdad. La cité noire congolaise, la secte de Mimosa, Pongo, Toudou, Bizarre. Robert Lebota, c'est le Mofango, Pelé, Mogo, Azoli, Beta, qui est 13e apôtre de Bogota. Les frères même de Tonton avec eux. Eh, Sebago, voici la nouvelle année. C'est comment? Tu ne veux pas changer? Y'avait mis Oula, y'avait Oula, c'est comment? Toujours avec les noms kilométriques qui traversent cette chambre. Non, ma sœur. Et qui est? Ah, pardon, Rumba, mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis avec lui et je suis aussi avec Petit Jésus ici présent. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Petit Jésus, né le 25 décembre à Paris, au bord de l'Ogoué. En face de la clinique Jeanne Bory, en passant par plein ciel, juste avant d'arriver à Marseille, avant l'arrivée des Calabas à Toulouse. Et Mungo, tout le monde ici veut avoir maintenant les longs noms. Pardon, excusez-moi. Je suis avec ces deux-là. Ce sont mes deux chroniqueurs internationaux. C'est-à-dire qu'on va découvrir. Mes deux chroniqueurs internationaux, les chroniqueurs internationaux qui vont... Frère, c'est parce qu'on va libérer le plateau. Et pourquoi vous faites le manquement à qui? Hein? C'est pas du moment maintenant. Venez-vous asseoir. Vous voulez que je ferme les portes là? Vous allez sortir par vous. Maman Grano, c'est tous les gens me tuent ici. C'est comment? Mon accent, c'est mon accent qui me fait parler comme ça. Mais sinon, je suis une intellectuelle. Toi, tu es congolais, tu as un accent. Ou on aime bien Bakounou, tu as un accent. Ok. Toi, dis un peu, prononce le sucre. Le sucre. Voilà. Toi, tu es Bakounou, prononce un peu le vampire. Parce que tu penses que je ne peux pas dire le vampire. Voilà. Donc, c'est mon accent que vous voulez parler comme vous parlez là. Mais écoutez, ce n'est pas une faute que j'ai faite. C'est mon accent qui me permet de parler comme ça. Donc, mais t'as mandé les gens même comme ça. Maman Grano, alias la Dunia. Mais t'as mandé steak. Maman Grano, on n'est rien. Mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui. C'est la fin de l'année. Beaucoup de choses se sont bien passées tout au long de l'année. Il y a eu de bonnes choses, tumultueuses, encourageuses, groupements tustueuses. C'est le français de mon accent. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Avec mes deux chroniqueurs internet. Mes chroniqueurs, on va parler aujourd'hui de tout ce qui s'est bien passé en mal ou en mauvais. C'est Petit Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché durant toute l'année ou qu'est-ce qui a marché? Alors, moi, ce qui me fait mal, je vais aller dans le domaine sportif et culturel. Oh oui. Cette année, vraiment, on n'a pas eu de médiatisation parce qu'il y a des événements sportifs que je n'aperçois pas. On n'a pas de chaîne de communication. C'est-à-dire, on peut avoir cette culture-là de jouer au football au quartier, mais on n'arrive pas à être connu à l'intérieur. Tu n'as pas les chaînes chez toi? Ndende TV. Voilà, quand tu as des chaînes comme ça, tu penses que tu vas être à l'info comment? Canal Plus en ce moment. Canal Plus me valorise en ce moment le Gabon. Depuis le début de l'année, je ne sais pas pour, hein, mais moi je vois les Gabonais beaucoup d'être sur le décodeur. Non mais si ma sœur, même moi depuis le Congo, j'ai même la CAN là. Voilà. Égypte 2019. Très bien. Vraiment, j'ai vu comment le Gabon a participé. Vraiment, c'était merveilleux. Hein. Non, mais très bien. Le Gabon, c'est vrai qu'on n'était pas qualifié, mais tu as vu une vidéo. Effectivement. Là où elle danse, on n'a pas qualifié, mais le Gabon a dansé. Moi-même, j'ai été subi une critique. Avec les perruques rouges, jaunes. Johnson, tu peux nous avoir quelque chose. L'image de la vidéo où le Gabonais a battu comme ça là. Tu mets comme ça. Canal Plus qui avait fait ça. Hein? Voilà, regardez comment les enfants sont mignons. Tu vois? C'est vrai, regarde, ils dansent avec la poule. C'est-à-dire qu'ils sont très contents. Ça m'a plu quoi. Non, vraiment, c'est bien. J'ai vu le fair play des Gabonais et Canal Plus, tu vois comme ça, à publier, à valoriser le fair play. Non, j'aime bien. C'est-à-dire que si, comme vous là, c'est avec image, on a vu, c'est vraiment, il y a des preuves, c'est bien. Mais après, il faut que ça soit perpétuel. C'est-à-dire qu'il faut pérenniser la chose. Mon frère, vraiment là, je découvre que tu n'as pas Canal. Est-ce que tu connais d'abord l'émission qu'ils ont fait au Gabon, les BBA?
Bibi, ah, Bibang Basket, Bibang Basket Academy. C'est Bibang qui a appris ça. Non, ma sœur, là. Bibang, non, ma sœur, là, tu te trompes. C'est quoi? Parce que BBA, ça veut dire Basket et Football Academy. Donc, Bibang m'a menti. Oui. Donc, l'émission qui passe sur Canal Plus, ce n'est pas Bibang qui a fait ça. Ma sœur, je te dis que Canal Plus est venu au Gabon. Il est parti dans les 9 provinces. Il a pris 20 ans. Vraiment, qui est venu de tous les parts comme ça, bizarrement. Il a pris comme ça, il a encadré, il a fait les vidéos comme ça. Canal Plus. Tu as vu ça, c'est le sauf de Gabonais que je n'aime pas. Quand Badinga et moi, on a lancé la campagne des chefs de quartier, qu'on devait prendre 10 personnes dans chaque province pour les former dans le Ditiangou, ils ont refusé. Ngongola, on parle de sport. Canal Plus a bien fait. Bon, et quand même, ça s'est bien passé. Moi-même, j'ai vu le fils de Koukou. Il est parti. Bientôt, il va partir en Yenébillé. Je ne sais même pas comment on appelle ça. La profession qui joue le basket là. Aux États-Unis. Ah oui, c'est le basketball. Alors, même ma propre fille Chanel, elle a passé, tu connais l'émission, vous connaissez, non? L'émission qu'on a tournée à Bitam, en passant par Mokomo, quand tu prends ce voyage, tu arrives devant, ils ont tourné une émission là. Fort Boyard, où il y a les squelettes, où il y a les trucs. Mais parlons des squelettes là, il y a même un squelette que je les ai prêté, le petit gros qui mange le gâteau en bas là, celui que j'ai lancé le 36-15 là, dans la salle où la petite artiste là, Chanel, elle est en train de zigoter comme un singe comme ça. Donc le squelette qui a fait peur à ma fille Chacha, c'est toi qui as envoyé ça. C'est quelqu'un que bon. C'est vrai, bon c'est vrai, Chacha a crié, waouh waouh, mais quand même ça fait peur. Ma sœur, l'émission on appelle ça comment? Fort Boyard Afrique. Hein? Fort Boyard Afrique. Oh, non, moi je connais l'émission, ça c'est une grande émission. Mais alors hein? Tu sais, Canal Plus, comme tu t'ai dit, qu'il est en train de valoriser. Uh-huh. Et comme tu vois comme ça, moi j'ai appelé le directeur, il m'a dit, tous les stars africains de Côte d'Ivoire, réunis, ils sont réunis là pour jouer les exécutifs. Tu veux que envoie-moi les images de Chanel, pardon, vous voyez ma propre fille, elle a crié vraiment comme un... Regarde, c'est le même squelette. Non, c'est mon enfant. C'est hyper. Mais je marche, je suis en train d'arriver pour prendre le taxi pour venir tourner à l'émission. C'est dans la zone d'Awendje. Awendje, c'est un mauvais quartier, j'avais dit ça depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aperçois la poubelle. Normalement, en général, quand tu vois la poubelle n'a pas le droit de bouger, c'est un objet. La poubelle a bougé. Mais quand j'arrive près de la poubelle survole, j'ai appuyé le bouton. Tu es parti. Jésus. Je connais. Mon frère, vous les Gabonais, vous devez mettre le vampire dans tout. Tu vois la poubelle bouger, arrête-toi d'abord. Oh, quand tu as le bouton, tu es parti en vampire. Peut-être. C'est l'émission qu'on appelle piéger. Ça passe sur Canal Plus. J'ai suivi ça depuis le Congo. Congo, moi, non. Ouais, ils ont fait à Wendy, ils ont fait un peu dans les quartiers comme c'est ça. C'est l'émission qu'on appelle piéger. Ce sont mes enfants, là, mes propres petits-fils qui font ça. Et là encore, c'est Canal Plus toujours. Mais attention, quand vous piégez les gens, piégez les Njabi, piégez les fans, ne piégez pas les Bapounous. On est en train de parler de Canal Plus. Je vous ai dit tantôt que Canal Plus est venu pour valoriser les talents. Qu'est-ce qui s'est passé pour la comédie Ngongo? Mais il y a une plateforme comme ça. Canal Comedy Club, moi-même j'étais là-bas, j'ai subi le stress et ça, l'angoisse de tout ça. Mon frère, quand tu parles, je t'assure. Je suis sûr que tu as les images. Tu as l'image de ce babou à Canal Comedy. Envoie un peu, on va voir. Moi-même j'étais là. Maman, c'est. Qui est intéressé, moi? Je t'assure. Cette plateforme-là, c'est pour valoriser et montrer les jeunes talents qui sont en train d'arriver comme ça. Oh, oui. Oui, c'est une plateforme. Vraiment, c'est super, ma sœur. Vraiment. Et que, donc, finalement, c'est. Finalement, si tu dis que Canal Plus fait ça pour les jeunes Gabonais, c'est bien parce que nous, au village, d'habitude, quand on voit l'enfant, il ne fait rien, on est obligé de le sucer un peu. Il faut acheter Canal, tu te connectes pour vraiment avoir l'information. Tu as bien parlé, mais acheter Canal, je ne comprends pas. Beaucoup sont venus me voir. Maman Grandor, on dit que les antennes de Canal Plus ont commencé. Maman Grandor, quand j'ai placé Canal Plus, le vent a soufflé, la connexion est partie, le signal a fui. Maman Grandor, j'ai dit qui est. Non, c'est comment? Moi-même, je suis à la maison. Depuis 2 semaines, je n'ai pas de signal. Canal Plus fait quoi? C'est ce que je n'aime pas avec Canal Plus. Hein? Moi, la dernière fois quand j'avais payé le décodeur, j'ai pris mon petit frère Grondor dans le quartier, quand même il fait le bricole, il m'a placé l'antenne, le signal est venu 2 jours, c'est parti. Canal Plus fait quoi? Pourquoi? C'est ce que je n'aime pas avec Canal Plus. C'est ça le problème? Sincèrement, moi
aussi j'ai le même problème, tu vois, non, mais seulement que moi, mon antenne, je comprends, peut-être c'est dit au fil de fer qu'on m'avait mis là, et puis c'est aussi à cause de mon voisin, quand il sort à vampire, je lui dis toujours, atterris au moins à côté, mais lui, il fait les atterrissages français. Toi, tu aimes mal au vampire. Tu sais, pour ce que tu viens de dire là, moi, il faut comprendre les choses. Non, mais demain, c'est pas bien. T'as l'air plus fort, hein, je sais. Ma sœur, quand il y a 7 et le bouquet canal, tu ne peux pas appeler les petits clossards là pour venir placer ton antenne comme ça. Non. Okay. Mais comment? Tu appelles quand tu viens faire Canal Plus, tu viens prendre les bouquets. Tu demandes à Canal Plus de te envoyer des techniciens pour venir te placer ça. Après ça, le signal ne part pas. Je t'assure que malgré les vents et marées, même les tremblements de terre qui s'est passé là, moi j'étais toujours reconnecté, j'ai regardé les matchs du début jusqu'à la fin. Attends ma soeur, moi si je ne peux pas te comprendre. C'est une grande femme, tu es connue ici. Hein, tu vois, c'était, tu vois, prendre les minables comme ça pour venir te placer les antennes de Canal. Hein, tu es une grande femme, faut te respecter, ma soeur. Ça, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal, tu peux pas prendre les choses comme ça. Les minables en question, que tu dis, le minable en question, c'est mon neveu. Mais tu peux le croire. Dis-donc, toi, tu as quel souci? Tu viens ici. Viens ici. Donc, c'est moi que vous voulez énerver. Hein? D'abord, je m'en vais prendre, je m'en vais à Canal Plus tout de suite, je prends aussi la bonne connexion. Attendez-moi, fermez-moi les portes, il ne sonne pas, je peux le compte. Justin, coupe.